Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de septembre 2021. Pour ce tirage, j'ai euh, donc l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac qui va me donner un petit peu le côté prédictif. Euh, ici avec euh, l'archange Gabriel de Dorine Virtu, on aura les conseils euh, dans cette situation donnée. Et enfin là ce qui domine la synthèse grâce au tarot italien. Voilà. Alors on va voir pour vous. On a la carte de la bénédiction, des illusions, protection, prendre soin et la réussite. Alors que nous dit, euh, que, quelle est cette petite histoire là sur le mois de, le mois de septembre avec la carte bénédiction on voit tout de suite que euh, vous, vous bénéficiez quand même d'une certaine protection. Euh, c'est vrai que la bénédiction, c'est comme si vous aviez euh, l'aval de quelqu'un, euh, l'assentiment de quelqu'un également. Donc, euh, on a l'impression que vous êtes protégé, qu que la chance est avec vous. Et en fait, que les choses telles qu'elles sont vous, vous conviennent. Alors c'est vrai qu'à côté de la carte euh, illusion, on pourrait dire euh, ⁇ euh, ça me convient, mais ça ne va pas durer, je vais euh, je, je me fais des idées. Euh, sauf que quand même, au final, on a la carte de la réussite. Donc c'est pas dans ce sens-là qu'il faut euh, l'interpréter. La carte euh, illusion, ici, euh, moi je pense que si vous voulez... Euh, c'est peut-être ce que vous aviez cru, vous, euh, possible, hein, mais qui, au final, euh, j'ai un petit peu de mal à, à le formuler, mais en fait, euh, euh, moi j'ai l'impression que là, enfin, vous touchez de plus près la vérité. Euh, S'il y avait eu... Euh, Tromperie, on voit que vous avez euh, la protection dessus donc euh, on sort de toute forme de méprise il y a pu y en avoir mais là vous êtes vous avez deux cartes de protection qui encadrent les illusions donc moi je pense qu'au contraire euh, ça va être d'une grande lucidité euh, pour vous en tout cas, on va, pas vous, on va pas vous rouler dans la farine. Euh, si vous voulez, euh, peut-être avez-vous pris aussi, non seulement ça peut être votre tempérament, mais peut-être avez-vous pris aussi des dispositions pour euh, justement vous, vous, pré vous prémunir euh, de toute forme de tromperie, de supercherie ou de vous voyez euh, d'arnaque, je dirais. Euh, donc euh, avec ça, on est très clair. Euh, euh, sur euh, où on va euh, parce que c'est comme si on prenait pas finalement de, de risque et on y voyait euh, très clair avec euh, prendre soin et suivi de réussite bah, prendre soin euh, je pense que c'est euh, à la fois si vous êtes euh, voyez euh, en activité le fait de ménager euh, euh, bah, votre corps euh, votre physique euh, être bienveillant et doux avec vous-même mais aussi avec les autres euh, c'est vrai que prendre soin c'est euh, dans la manière de dire les choses euh, que ce soit euh, voyez assez doux euh, si vous donnez des ordres euh, bon il y a, y a l'idée un petit peu de de douceur, de, de materner un peu euh, autour de vous, euh, vos, vos employés par exemple, si vous êtes à votre compte, euh, vous ménagez vous en tant que personne, physiquement, moralement. Et en même temps, la carte prendre soin, c'est une carte de, de protection. Donc il y a comme trois cartes de protection qui vous mènent à la réussite et qui vous permettent de sortir de, de, de toute euh, illusion que vous avez pu vous faire ou de tout les tours de passe-passe qui auront pu être euh, voilà des petits pièges en tout cas vous allez savoir les les déjouer donc la réussite bien sûr c'est euh, l'obtention d'un poste des résultats euh, qui s'améliore des chi un chiffre d'affaires en hausse ça peut être également euh, le, le fait d'être pris à, à un concours de décrocher un, un entretien voire même un poste donc euh, évidemment la carte de la réussite je pense que c'est à la fois le fait que vous vous êtes très lucide et très au clair sur euh, les attendus euh, vos compétences ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire et en même temps euh, on a l'impression que vous, vous bénéficiez d'une grande protection ce mois de septembre. C'est comme si, euh, quelque part pour vous, les Verseaux, toutes les planètes étaient alignées et vous, avez, vous allez euh, finalement euh, avancer, euh, vous frayez euh, votre voie. Euh, C'est aussi possible que vous... Vous réconcilier euh, s'il y avait eu des, des discordes. En tout cas, c'est une réconciliation qui euh, vous permet d'aller plus loin et d'avancer et de sortir un peu euh, des incertitudes. Alors, les conseils, on a entre bénédiction et illusion, permettez-vous de recevoir. Permettez-vous de recevoir, euh, voyez, euh, d'en prendre soin, c'est à la fois se ménager, mais aussi... Recevoir de l'aide, recevoir, euh, apprendre à recevoir un compliment également. Mais permettez-vous de recevoir ici par rapport aux deux cartes qui sont situées au-dessus. Ça signifie que euh, ayez l'oreille attentive, soyez à l'écoute, euh, soyez euh, à l'écoute des autres, parce que peut-être. Euh, eh bien, ça va vous permettre de trouver une vérité, de gagner en lucidité, en objectivité, et également vous allez en être davantage, Vous allez euh, être protégé grâce à tout cela. Entre illusion et protection, on a partagé votre art. Ben en fait, c'est, voyez, partager votre art, eh bien, en fait, voyez, partagez votre art et permettez-vous de recevoir. C'est, on est vraiment dans le donner et recevoir et dans l'idée de prendre soin. En fait, il y a l'idée de réciprocité. Euh, on ne peut pas être dans quelque chose à sens unique pour atteindre cette réussite. On a l'impression que eh bien c'est un échange de bons procédés. on se fait confiance, on obtient un travail de meilleure qualité si, euh, si on fait confiance aux personnes que l'on embauche euh, en même temps si vous travaillez en équipe eh bien c'est très constructif euh, de, de, voilà, de partager son expérience, ses compétences, etc. Parce qu'en retour, vous obtiendrez aussi plus d'informations. Euh, ben, vous aurez finalement euh, soit un avis plus éclairé, soit euh, une nouvelle vision, une nouvelle conception des choses qui vous mènera à quelque chose de, de plus euh, concret, de plus. Euh, gagnant quoi. Euh, perfectionnisme. Alors euh, le perfectionnisme c'est entre protection et prendre soin. Euh, moi j'ai l'impression que là vous pourriez euh, chercher à améliorer la situation. Mais attention euh, dans le côté euh, perfection, euh, il y a aussi le fait que on veut peaufiner les choses, euh, surtout quand on est sur un projet euh, créatif. Mais euh, le perfectionnisme, c'est aussi apparenté à des peurs, euh, parce que finalement, ici, quand on veut quelque chose de parfait, on n'arrive jamais à le finaliser, puisque euh, en fait, c'est jamais vraiment parfait. On retouche, on retoque, on améliore, on amende, etc. Donc, au final, si on est en quête de, de, de perfection, euh, eh bien euh, parfois Bon, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, ben oui, quand c'est parfait, au moins ça, ça réussit. Mais là, avec l'idée de, de prendre soin, c'est aussi ménagez-vous parce que, à vouloir, euh, voilà, toujours améliorer la situation, ça pourrait euh, finalement se retourner un peu contre, peut-être contre vous, euh, parce que le mieux, on dit souvent, le mieux est l'ennemi du, du bien. Donc, si vous voulez une réussite là, euh, dans le mois de septembre, euh, votre côté perfectionnisme pourrait vous retarder euh, dans les délais parce que euh, on sortirait du, dans la temporalité du, du, bah, des délais qui, sont, qui vous sont impartis quelque part. Ayez confiance en vos créations. Oui, moi je pense que en fait, euh, faites confiance plus en votre capacité à créer plutôt que D'essayer de, de perfectionner euh, voyez euh, quelque chose, c'est votre côté créatif qui est euh, vraiment la source de votre réussite. C'est n'est pas tellement de parfaire euh, quelque chose. Donc euh, la créativité est à l'honneur pour réussir. Je pense qu'on euh, on en est là et en plus euh, vous êtes hyper protégé. Ah ben la créativité, regardez, quand on parle d'elle, voici l'impératrice qui nous parle justement de, de création, euh, d'innovation, d'inventivité. Donc vous êtes tout à fait capable de mettre en œuvre des nouvelles choses, euh, de vous démarquer peut-être même des, des concurrents, de vous démarquer euh, dans une. de euh, sortir du lot, quelque part, si vous êtes euh, euh, plusieurs à concurrents ou plusieurs candidats donc en fait c'est finalement euh, l'inventivité la créativité que vous devez euh, retenir et pas le côté euh, voilà aller jusqu'au bout dans la perfection euh, euh, précisément on a le 2 de bâton et le roi de coupe oui en fait voyez c'est euh, ça c'est finalement ce qui résume la créativité qui va vous permettre de vous projeter euh, à plus long terme ici on a le 2 de bâton deux de bâton c'est une carte qui euh, nous montre que vous êtes dans euh, un projet à plus long terme vous devez planifier des choses et en fait pour planifier il faut être inventif créatif euh, parce que enfin, vos inventions et vos créations elles n'auront vie que si vous inscrivez les choses un peu dans la dans la durée, euh, voilà une idée nouvelle, on, la mise en application. il faut faire un business plan, il faut euh, évaluer un certain nombre de, de paramètres de, en termes de faisabilité, etc. Et c'est plutôt euh, parce que vous aurez des idées nouvelles que vous pourrez vous projeter là, comme ça, au delà du mois de septembre, en essayant d'évaluer, de, de vous projeter, de planifier plutôt qu'en essayant de finaliser une seule chose et d'aller dans une direction bien précise à être un peu trop perfectionniste. Ici, euh, avec le roi de, de coupe, eh bien, ça reprend un peu l'idée de, de prendre soin, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a l'idée de sensibilité, euh, on maîtrise ces le roi de coupe, il, il maîtrise ses émotions, mais il sait faire preuve d'empathie, de compassion euh, et prendre des décisions aussi euh, malgré tout. C'est un roi, d'accord. Mais euh, c'est pas parce qu'on est euh, un dirigeant qu'on euh, on doit euh, être, euh, par exemple. Euh, voyez dans une apparence euh, toujours euh, froide austère euh, à driver comme ça des équipes sans humanité euh, je pense que euh, vous gagnerez à être à l'écoute dans le partage et dans euh, et dans euh, l'échange vraiment voilà donc euh, on vous dit en fait que la réussite est au bout du chemin à condition d'être dans le partage, l'échange et la créativité. Je pense que c'est ça pour vous en résumé les versos. Donc j'espère que tout ça va vous porter bonheur et va vous aider en tout cas puisque la réussite est, est à. Est à... Et, et proche de vous, là. Donc, euh, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, à consulter également le tirage de l'été au niveau professionnel, puisque septembre, on y est encore en été, ainsi que le tirage général euh, trimestriel tout ça vous le retrouverez en dessous de cette vidéo dans la playlist euh, etc donc euh, n'hésitez pas à aller farfouiller euh, de ces côtés là voilà en tout cas merci pour votre écoute hein, et pour toute consultation privée euh, n'hésitez pas à m'écrire à parole merci au revoir à bientôt